Tu vas pas écouter du guitare là. Tu ne me reconnais pas, hein? Mais si, je t'ai vu il y a une heure.
Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur quand ils nous ont quittés. On les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment. Mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont su eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu d'un creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils seront comme des étincelles courant à travers le champ. Et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Parole du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Et puis vous recevez également, notamment
Et donc
pour aller à l'encontre justement de cette terre hostile, qui est notamment bon, je dis, au terrorisme, qui est cette pandémie, à la crise économique, qui est aussi à le réchauffement climatique qui peut engendrer des migrations, on va dire, climatiques. La vie nous invite à être solidaires et à vivre la fraternité. Alors, je ne vais pas développer, mais vous pouvez le développer. Tous les points que j'ai cités, la pandémie est solidaire des personnes âgées, solidaire de ceux qui ont vraiment peur de cette pandémie, à juste titre, parce qu'ils sont importants. Donc, aussi, porter masque, l'importance de porter masque, l'importance de respecter ceux qui sont fragiles. Aussi, la fraternité par rapport à tout ce qui est terrorisme. C'est, si nous sommes unis en France, bien sûr, je pense que c'est pas comme ça, hein, mais je pense que si nous sommes unis fraternels, aucun terrorisme n'aura pas trop sa place à la France. Et pareil pour le réchauffement climatique, bien sûr, le réchauffement est là, mais si nous faisons attention à la pollution, mais si aussi nous sommes solidaires les uns des autres, alors bien, si on veut être un frère, on va dire, au dans la panade, cette fraternité peut nous aider à porter du fruit, malgré cette terre dans laquelle nous vivons, qui est, on va dire, une hospitalière, je vais en prendre l'expression. Il y a le pape François qui a sorti une encyclique il y a quelques jours, c'était le 4 octobre, la fête de Saint François d'Assise, qui s'appelle Tutti Fratelli. Et il nous dit, personne ne se sauve tout seul. Je pense qu'il faut qu'on va sauver le monde tout seul. On a besoin de cette fraternité. Inventons un monde plus juste et plus fraternel, qui nous aidera justement à faire grandir quelque chose de beau, malgré cette terre inhospitalière dans laquelle nous vivons. C'est la fraternité et la solidarité qui peuvent nous rendre forts contre ce sol inhospitalier. Ce n'est pas l'individualisme. On a quelquefois tendance à l'individualisme. Et j'espère que cette pandémie, notamment pendant le confinement, disait ben justement, on est plus solidaires les uns des autres, ça va nous servir de leçon. Et à l'heure actuelle, le mois d'octobre aussi, on se dit, mais finalement, on a l'impression qu'on a oublié ce confinement, où on s'était promis en quelque sorte qu'on allait être solidaires les uns des autres. On n'a pas été oublié. Hein. Mais n'oublions pas que nous devons être solidaires. L'individualisme doit être rejeté. Et le pape François disait dans sa lettre, Tutti Fratelli, c'est encyclique, l'individualisme est le virus le plus difficile à vaincre. C'est pas la pandémie qu'on vit actuellement qui est le plus dur à vaincre. Ça, dans quelques temps, on trouvera une solution. Sauf que dans ma part, dans quelques mois, malheureusement, on trouvera une solution. Par contre, l'individualisme, on n'a pas encore vaccin. Je pense qu'on ne trouve pas un vaccin. L'individualisme est le virus le plus difficile à vaincre.
Thank you.
spécialement.
Thank you.
Thank you.